numéro de votre magazine La Semaine du Ministre. Messieurs et dames, bienvenue. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, ne ménage aucun effort pour arrêter la propagation du virus sur l'ensemble du territoire national. C'est ainsi que le ministre de la Santé a déployé les matériels médicaux dans le cadre du partenariat l'OMS-gouvernement. Ce dont est constitué notamment de masques, de blouses d'isolement et d'autres matériels importants. Vers la levée de grève dans les hôpitaux publics, le gouvernement répond positivement à la requête de médecins. Le ministre de la Santé s'est exprimé officiellement dans un communiqué rendu public dont voici l'économie. Ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, communiqué officiel. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, leurs excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget et Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le gouvernement de la République a rencontré la requête des syndicats des médecins à l'issue de la réunion qui s'est tenue ce mardi 27 juillet 2021 à l'immeuble du gouvernement. À ce sujet, il y a eu des résolutions suivantes. 1. Sur le plan pécuniaire, une allocation de 200 000 à 400 000 francs congolais est allouée pour les mois de juillet, août et septembre 2021 et 320 000 à 640 000 francs congolais pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021, du médecin le moins gradé au plus gradé. 2. Sur le plan administratif, toutes les revendications ont été prises en compte, notification en grade, signature de l'ordonnance présidentielle, mécanisation des médecins avec numéro matricule en cours d'exécution. Sur ce, le gouvernement de la République invite les syndicats des médecins à la conférence budgétaire qui débute ce lundi 2 août 2021 afin d'intégrer toutes les autres revendications supplémentaires dans la loi des finances exercice 2022. Fait à Kinshasa le 27 juillet 2021, Dr Mbungani Mbanda, Jean-Jacques. Plaider pour une meilleure prise en charge concernant la situation épidémiologique et la propagation de cas de Covid-19 dans la province de Ouélé. Tel est le but de la visite du caucus des députés et sénateurs de cette province auprès du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, ce mardi 27 juillet à l'hôtel du gouvernement. Une délégation constituée du caucus de la province du Ouélé. Essentiellement constitué des sénateurs et des députés, nous sommes venus pour alerter son Excellence Monsieur le Ministre et également faire un plaidoyer de haut niveau pour la situation épidémiologique qui se passe dans notre province, en ce qui concerne le Covid dans la province du Haut-Ouélé. Nous avons présenté tous les défis qui se présentent dans notre province en rapport avec l'épidémie de Covid. De son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé, nous avons reçu une réponse positive. Il a axé son intervention essentiellement sur trois points. Il nous a dit qu'il va se déployer, le ministère va se déployer pour renforcer la communication, pour que la sensibilisation soit étendue sur l'ensemble de la province. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il a dit qu'il va également faire tout pour qu'une unité de production d'oxygène soit mise en place au niveau de la province, particulièrement au niveau de Isiro, qui est le chef-lieu de la province. Également, doter les hôpitaux généraux de référence en médicaments essentiels, comme l'azithromycine, les chloroquines, le zinc, ainsi de suite. On sait que l'ensemble de la population de la province du Haut-Ouélé peuvent compter sur leurs élus, les députés et les sénateurs sont là. Nous sommes venus parce que ce sont eux qui nous ont délégués, qui nous ont envoyés ici. C'est comme ça que nous continuons à faire le plaidoyer pour la province, au nom de cette population qui nous a mandatés. C'est pour ça que nous sommes là. Chaque 28 juillet, le monde entier célèbre la journée contre les hépatites.
En République démocratique du Congo, le statistique renseigne que plus ou moins 7000 personnes vivant avec cette maladie silencieuse et mortelle. Pour cette année, le numéro 1 de la santé au Congo, Dr Jean-Jacques Mbungani invite la population à adhérer aux campagnes de sensibilisation et des dépistages de cette pathologie. Chers compatriotes, en ce jour de célébration de la Journée mondiale des hépatites, je viens me joindre à vous et au nom du gouvernement de la République pour qu'ensemble nous puissions mesurer l'ampleur, mais aussi l'impact des hépatites afin de mieux organiser la riposte dans les 516 zones de santé qui constituent les espaces au sein desquels la lutte contre les maladies en général et la riposte contre les hépatites en particulier doivent être organisées. Avec vous, je constate que la lutte contre les hépatites est une aventure humaine. En effet, l'Organisation mondiale de la santé s'est fixée l'horizon 2030 pour atteindre les objectifs de développement durable ODD, dont le troisième se rapporte à la santé et le bien-être. L'Organisation mondiale de la santé a mis à la disposition des pays membres des orientations stratégiques qui adapteraient à leur contexte respectif pour organiser la riposte contre la menace des hépatites. Cette dernière dénombre plus de 400 000 cas d'hépatite B et C dans le monde, avec plus de 1 400 000 décès suite à cette maladie. En outre, seuls 5% des cas dénombrés connaissent leur statut sérologique. Dans notre pays, la RDC, des études éparses font état d'un taux de prévalence des hépatites de 7%, dont 4% pour les hépatites B et 3% pour les hépatites C, ce qui représente plus ou moins 700 000 personnes vivant avec cette maladie silencieuse et mortelle. Un autre constat nous enseigne que la majorité des Congolais à tous les niveaux ne connaissent pas les hépatites B et C, ni la lourde menace qu'elles font peser sur la santé et le bien-être. Chers compatriotes, la RDC est gravement impactée par les menaces virales. Le VIH, les maladies à virus Ebola, la COVID-19 et le virus des hépatites B et C, pour ne citer que ceux-là. Un effort mondial a permis d'infléchir significativement le taux du paludisme, de la tuberculose et du VIH, tandis qu'un grand nombre des pathologies dites négligées, dont les hépatites B et C, sont en train de gagner du terrain dans le pays. Chers compatriotes, fort des recommandations de l'ONU, des orientations stratégiques de l'OMS et des réalités susévoquées sur la propagation des hépatites en RDC, le gouvernement de la République, dirigé par Son Excellence Samalou Kondé, sous l'égide du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, invite la population à adhérer aux différentes vagues de sensibilisation et de dépistage des hépatites afin de contribuer à l'éradication de cette pathologie à l'horizon 2030. Vive la République démocratique du Congo, vive la lutte contre les hépatites en RDC. Je vous remercie. Le ministre Jean-Jacques Mbungani a participé au séminaire gouvernemental dont l'objectif était d'instaurer une gestion qui produise des résultats probants, créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats. Et le thème du séminaire du gouvernement initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le but de renforcer le ministre et d'orienter l'action gouvernementale. Suivez. Il était important que les membres du gouvernement se réunissent ici pour un séminaire qui a duré 3 jours, effectivement. Il s'agit de faire une cohésion au sein du gouvernement autour de thèmes importants. On a eu droit à plusieurs intervenants qui nous ont parlé de la bonne gouvernance, des différents mécanismes en termes de passation de marché, en termes d'éthique. Il était important pour nous d'apprendre finalement la manière dont les choses devraient se faire. Malgré que nous venons d'horizons divers dans l'Union sacrée avec des formations de bon niveau, mais la norme, c'est celle-là qui a été retenue. Et demain, on a maintenant un gouvernement aguerri, prêt à relever les grands défis de la nation. Vous avez le chef de l'État qui a un principe majeur, l'État de droit, le peuple d'abord,
Et le gouvernement doit l'accompagner dans la réussite de son mandat et pour le bien de la population. Et notre peuple doit espérer parce que nous avons la ferme volonté de faire avancer les choses. Les choses ne devront plus être comme avant. Nous devons emmener notre pays rapidement à un changement de mentalité. Il faut que ce pays revienne finalement à son premier propriétaire, c'est le souverain premier. Et c'est ça l'attente de notre peuple, c'est le vœu du chef de l'État, et c'est la détermination du Premier ministre et nous, gouvernement, l'accompagnons dans cette tâche. Kinshasa et Brazzaville en discussion sur l'hygiène et la surveillance épidémiologique pour renforcer la sécurité sanitaire aux frontières. Monsieur Paul Djunga, directeur du cabinet du ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, a au nom du ministre Jean-Jacques Mbungani a procédé au lancement et la clôture de l'atelier sur la surveillance épidémiologique aux frontières entre la République démocratique du Congo et la République du Congo le mardi 20 juillet 2021 au Cercle Elaïs à Kinshasa. La République démocratique du Congo a connu une douze épidémies de la maladie. Ce secrétaire du programme national d'hygiène. C'est par ici que nous mettons fin à ce grand rendez-vous de la semaine du ministre. Prenez bien soin de vous car la COVID-19 est une réalité. Au revoir. Thank you.